Le colonel Thiebro, lui, vous le connaissez? Je le connais très bien. Nous avons été recrutés le même jour à Zérékoré, même centre. Ouais. Zérékoré, Kindia. Kindia, test gendarmerie, sont fournis ici. D'accord. Combien de personnes il a tué ce jour-là au stade, selon vous? Hein? Combien de personnes il a tué au stade? Non. Moi, je n'ai vu aucun corps. Je ne l'ai pas vu en train de tuer. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Ah. Quand on dit que lui, il a tué. Hein? Bon. Et même les gens vont venir prouver les preuves ici. Avant de tuer, vous avez prémédité le crime. C'est ce qui est même grave. Si lui, il était assassin. Hein? Mais peut-être qu'il allait monter son unité contre la tuerie, parce que c'est là on a balancé une grenade dans sa voiture. D'accord. La grenade est allée déchiqueter. Le commandant Toumba, avec lequel l'accusation vous pointe d'un doigt, comme ayant agi de concert au stade ce jour-là, il a tué, vous aussi vous avez tué. Vous avez donné la mort aux manifestants. Et que répondez-vous? Toumba est venu à ma présence. Il a commencé à tirer. Il est rentré au stade. Je n'étais plus là-bas. D'accord. Ce qu'il a fait là-bas, ça c'était vraiment dans mon sommeil. À la barre, chacun des accusés était censé se défendre et dire exactement ce qu'il sait. Mais colonel Blaise Goumou avait préféré choisir un camp, celui de Kiwro Kamara. Bienvenue dans les analyses du procès du 28 septembre sur Océan TV. Contrairement à certains accusés, Blaise Goumou avait clairement montré sa prise de position. À mon avis, il pouvait bien contredire les allégations de Toumba Diakité contre lui. Mais, vouloir prendre la défense des autres accusés contre un autre, il était vraiment allé loin. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cette vidéo et on se reprend après. Mon colonel, meurtre et assassinat. Vous connaissez le lieutenant CC Raphaël là-bas, ou adjudant? Non, c'est ici, j'ai fait sa connaissance. Vous ne l'avez pas connu au cabinet d'instruction? CC Raphaël? Oui. Non? Ah, les procureurs qui vous ont accusé ne vous ont pas dit combien de fois ils vous ont vu ensemble? Non, CC Raphaël, moi j'ai été entendu seul. Mais non. CC Raphaël là-bas? Mais on dit oui, que... mais il est là, il pourra vous confirmer. Je n'ai pas été entendu avec lui des... Pourtant, le parquet a soutenu, et malheureusement, dans ce doute, le cabinet d'instruction vous a renvoyé comme ayant agi de concert avec M. CC Raphaël là-bas, et que c'est vous qui avez donné la mort à nos concitoyens. Non, encore non, il est là. Bon, quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vous n'avez rencontré qu'en prison. Oui. Comment vous pouvez agir ensemble, donner la mort à des citoyens? Vraiment, c'est déplorable. Est-ce que vous trouvez cela pertinent? Non. Bien. CC Raphaël Abba a-t-il parlé de vous depuis que cette affaire a commencé? Non. Sauf quand il est passé, il a confirmé les propos de Toumba en disant que nos éléments portaient le bel rouge. C'est là-bas seulement, il a... Mais lui-même, il est convaincu. D'accord. Que ce n'est pas vrai. Il a suivi l'autre seulement, mais il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il connaît. Mon colonel, vous avez un avantage d'être un magistrat militaire. Oui. Ah, c'est incontestable. Oui. Donc, ce qui suppose que vous avez des prérequis en droit. Oui. Sinon que plus. Oui, c'est leurs collègues qui bon, nous ont depuis qu'on a formé. Commencé cette audience-là, combien de bulletins, de certificats de décès on vous a présenté avec preuve à l'appui que c'est avec votre gâchette ou avec vos armes que ces personnes-là ont trouvé la mort? Non. Le parquet vous l'a présenté? Non. Depuis que nous sommes réunis dans cette salle, non. Est-ce qu'on vous a présenté individuellement des photos des personnes identifiées, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aujourd'hui, qui ont trouvé la mort parce que c'est vous qui les avez ôté la vie? Non. Parce que c'est ça en fait
le meurtre ou l'assassinat. Oui, non, personne ne m'a exhibé une telle preuve. Ah, ça, c'est une grosse accusation. Et de surcroît, j'ai entendu de l'autre côté que non, les gens qui étaient venus, ils ont tiré, ils sont partis avec les armes. Mais comment on peut s'amuser? C'est pourquoi il n'y a pas eu examen balistique. Comment ça, on peut s'amuser à vous faire porter des chapeaux comme ça? Ça, c'est très lourd. Parce que vous-même, vous savez, le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à un citoyen, à une personne quelconque. Alors que l'assassinat, c'est avec préméditation ou guet-apens. Mon colonel, depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on vous a indiqué ici la liste des personnes avec des témoins à l'appui auxquels vous avez ôté la vie, soit de façon volontaire ou de façon préméditée? Non. Et puis, ce qui m'a même un peu écœuré, c'est que quand j'étais dans le box des accusés, tous les gens qui sont passés ici, les avocats des partis civils faisaient la lecture des différentes dépositions des partis civils en disant que tel parti civil a dit ça, ça, ça. Mais aucune partie civile n'a cité nommément dans sa déposition le nom du colonel Blaise. Bien. Rien. Monsieur Goumou. Et aucune preuve n'est exhibée ici pour étayer quand même l'acte d'accusation. Mon colonel. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, maître. Les services spéciaux. Lutter contre la drogue. Vous pensez que vous aurez pu échapper dans cette affaire? Vous dites? Les services spéciaux. Oui. Ont attrapé tous les gros bonnets. Oui. Sans distinction, qui étaient impliqués plus ou moins dans le trafic national ou international de la drogue. Vous pensez que le colonel Goumou peut se tirer d'affaire? C'est pas facile. Ils sont nombreux, des avocats, y compris des accusés qui voulaient créer de la diversion à un moment donné dans ce procès. Certains avocats n'avaient plus de pistes et des accusés qui ne pensaient plus avoir d'issue. Donc, il fallait chercher d'autres moyens de se tirer d'affaire, notamment la diversion. Il y a même un chef d'État qui avait dit à son ministre de la Sécurité: on ne peut pas diriger un pays avec la peur au ventre, oui ou non? Bien sûr. Ah, vous êtes attaqué à un fléau. Et vous savez que ces gens-là sont très forts. Je passe. Amadou, Alpha Amadou Baldé, vous le connaissez? Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas trouvé à la maison centrale. On l'appelle souvent ici, hein. Mais je ne sais pas. Combien de personnes vous avez tuées ensemble ces jours-là? Non, je ne le connais pas. Pourtant, c'est que le parquet soutient. Et le lieutenant Marcel Guilavogui, vous l'avez connu? J'ai connu Marcel avant les événements avant même la prise du pouvoir par le CNDD. J'ai connu Marcel. Oui. Il était au camp. Au camp. Il a été l'un des artisans de la prise du pouvoir. Bon, moi, je ne l'ai pas connu dans ses rouages. Je l'ai connu au blindé là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que nous, on faisait le sport ensemble au terrain. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Mais dans quelle participation qu'il a eu à faire dans la prise du pouvoir, d'accord, là, j'étais pas là-bas. Parce que... Il était très influent dans la gouvernance du CNDD. Bon. Je ne peux pas tellement parler de son efficacité dedans. Mais... stratégique qu'il occupait. Parce que moi, personnellement même, je ne sais pas quel poste il occupait. Les gens parlaient qu'il est l'adjoint de... D'accord. Voilà. Toujours dans le dossier. Mais vous confirmez quand même qu'il est modeste. Oui, parce qu'il n'a jamais fait un acte d'indiscipline dans ma présence. Mm-hmm. Voilà. Il est très modeste. Il m'a jamais manqué de respect. Même au moment où on faisait le sport, il se mettait à sa place. J'étais élève officier. Quand on vient, même s'ils sont en train de jouer, je dis, garde à vous, quittez là. C'est les officiers qui doivent jouer. Et il demandait à ses amis de quitter. D'accord. Bon, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait sa connaissance. Qu'il n'a pas été... Maintenant, dans les rouages du commandement, là. Il n'a pas été un militaire de la 24 heures dans la prise du pouvoir, comme certains. Et qui, malheureusement, ont voulu s'attribuer la paternité.
Bon, le colonel Thiebron, lui, vous le connaissez? Je le connais très bien. Nous avons été recrutés le même jour à Zérekoré, même centre. Ouais. Zérekoré, Kindia. Kindia, test gendarmerie, sont fournis ici. D'accord. Combien de personnes il a tué ce jour-là au stade, selon vous? Hein? Combien de personnes il a tué au stade? Non, moi je n'ai vu aucun corps, je ne l'ai pas vu en train de tuer. C'est un peu compliqué. Ah. Quand on dit que lui, il a tué, Les gens vont venir prouver les preuves ici. Avant de tuer, vous avez prémédité le crime. C'est ce qui est même grave. Si lui, il était assassin, mais peut-être qu'il allait monter son unité contre la tuerie, parce que c'est là on a balancé une grenade dans sa voiture. D'accord. La grenade est allée déchiqueter son chauffeur. D'autres questions? Et son assassinat a porté, si je comprends bien, sous la traque des narcotrafiquants ou des présumés narcotrafiquants. Hein? Son assassinat, c'était de neutraliser les présumés narcotrafiquants. Oui, on était sur cette piste, traquer les narcotrafiquants. D'accord. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît jamais aux gens. C'est bon. Toujours, vous êtes accusé avec Ibrahim Camara, dit Kalonzo, de meurtre et d'assassinat, alors qu'il était en prison. On passe. Il était en prison. Bon, moi, je n'ai vu personne tuer. Il y a aussi le commandant Toumba, avec lequel l'accusation vous pointe d'un doigt comme ayant agi de concert au stade ce jour-là. Il a tué, vous aussi vous avez tué, vous avez donné la mort aux manifestants. Que répondez-vous? Toumba est venu à ma présence, il a commencé à tirer, il est rentré au stade, je n'étais plus là-bas. D'accord. Ce qu'il a fait là-bas, ça c'était vraiment dans mon sommeil. Colonel Blaise Goumo dégageait une forte énergie pour prouver l'innocence de colonel Thiebro Camara et utilisait cette même énergie pour faire croire que commandant Toumba Diakité était coupable. C'est vrai que la décision finale reviendrait au président du tribunal. Mais vous pouvez donner vos avis en commentaire pour qu'on en discute. À bientôt.